Bonjour les viewers, c'est Scratty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18, si je dis pas de bêtises, de Glimsoul. Alors j'ai fait mon premier live sur Glimsoul hier soir, il y en aura un autre ce soir à 21h. J'essaierai de refaire une zone de 3 crânes de nuit. Il me manque un charbon et une poudre sulfurée pour faire le gatekeeper en pétant sa maison. Tout simplement. Donc on essaiera de choper ça ce soir. Donc voilà. Et donc hier soir j'avais fait une petite présentation de ma base. Je la refais en vidéo pour ceux qui n'étaient pas là. Alors avant de commencer et de vous faire une présentation de ma base, j'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours sur Glimsoul. L'arrivée de la fibre. Il fallait que je reconfigue tout OBS. Il fallait que je refasse mes images, mes overlays, tout ça. Donc j'ai pas eu spécialement trop de temps. Et de plus, il n'y a pas eu grand chose de nouveau sur le jeu. À part cette image que vous voyez affichée à l'écran, qui a été publiée par les devs. Alors qu'est-ce qu'on peut y voir? Des cages avec des squelettes. Et le message des devs dit que bon, ça sera dans le futur donjon. Et puis de toute façon, l'image nous fait voir que ça va être dans le futur donjon. Alors, à quoi pourraient nous servir ces cages? Bah peut-être les prisonniers que parle l'histoire, hein, je vous ai déjà parlé dans les parchemins, ils parlent de certains prisonniers, pourquoi pas eux? Pourquoi pas des items clés peut-être à récupérer sur les squelettes dans les cages, qui nous permettraient peut-être d'ouvrir des portes dans le donjon ou... Enfin, il y a plein d'hypothèses. Voilà, ils nous ont juste partagé cette petite image. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Bon. Ça avance, c'est le principal. Autre chose, Shell, donc Mindshell, qui est l'un des admins de la communauté FR, a eu un message des devs qui nous a demandé de le faire passer, donc je le fais passer en message. En ce moment, les devs, bah, ils sont un petit peu surbookés, hein. Bah oui, ils reçoivent 30 millions de fois par jour le même message. Quand est-ce que sortira la prochaine mise à jour? Alors le petit message que moi déjà sur ça je vais vous faire passer, arrêtez de leur poser la question, la mise à jour sortira quand elle sortira. De plus, quand vous les harcelez, les personnes qui ont vraiment besoin de réponse, ça prend du temps. Et deux, des trucs qui... Voilà, le temps de travail que prend à vous répondre, ça enlève du temps de travail à côté. Faut pas oublier que l'équipe qui travaille sur Glimsoul est une petite équipe, c'est pas comme Kefir. Donc voilà, c'est-à-dire que les personnes qui s'occupent de Facebook, à mon avis, travaillent également sur le jeu. Donc arrêtez de les harceler, la mise à jour sortira quand elle sortira. De plus, dans leur message, donc ils nous ont demandé de passer un message, c'est qu'en ce moment, ils travaillent donc sur le donjon et donc sur la sortie du jeu sur iOS. Donc voilà, donc normalement, je dis bien normalement, la future mage devrait être le donjon et la sortie sur iOS. Après, c'est pas encore totalement sûr. Bon, une fois ceci fait, déjà je retire la petite image, on va rentrer dans ma base et donc je vais vous faire visiter ma base, ma petite base, comment je l'ai craftée, etc., etc. Alors, déjà pour commencer, moi j'ai calculé les cases, hein, de combien de cases il y avait, d'un côté jusqu'au centre, sur les chaque côté. Et en fait, la case la plus centrée, pour moi, c'est celle-là. Donc c'est à dire que ça c'est le centre de ma base et j'ai commencé à craft à partir de là, et donc la pièce, enfin les 4 pièces qui sont ici sont en gros mes 4 pièces principaux, oui, principales, bref on s'en fout, c'est mes pièces les plus importantes, c'est là où il y a mon plus de loot on va dire. Et ensuite je suis parti de là et j'ai commencé donc déjà j'ai fait la muraille, c'est à dire tout le long qui commence à être en T3. Alors ça coûte très cher, hein, le T3, hein. Franchement un mur T3 ça coûte 30 briques, 10 planches, ça fait cher en briques. Une porte c'est 20 briques, 10 planches, 5 lingots de cuivre, et le sol c'est 10 briques, 10 lingots de cuivre. Donc les murs coûtent cher, mais bon on fait avec, hein, ça avance, hein. J'ai déjà fait pas mal de sol, comme vous le voyez je suis arrivé jusque là niveau sol, et niveau mur tout ça, bah là j'ai fait cette porte, j'ai fait ce mur, là il faut que je fasse ici et je continue, et pareil vers le bas, hein. Vers le bas j'ai déjà fait toute cette muraille là et je suis arrivé là jusqu'ici, et là là c'est des sols. Alors comment j'ai calculé pour faire la muraille? C'est simple, hein. On peut poser que 50 pieux. Voilà, ça, on peut en poser que 50.
on peut pas en poser plus. Et donc vous allez avoir des trous. Alors moi ce que j'ai fait pour combler les trous, alors vous voyez que je les ai espacés, là il y en a 4, là il y en a 3, là il y en a 3, là il y en a 3, là il y en a 2, enfin voilà, j'ai essayé d'espacer et j'ai fait des fausses portes en fait. Parce que quand les raids vont être ajoutés, qu'est-ce qui va se passer? Le joueur va arriver, il va se dire « Ah, il y a des portes, il doit sûrement rentrer ici. » Sauf que comme quand il va avoir plein de portes, bah, il va pas savoir où péter. Ensuite, j'ai commencé à renforcer l'intérieur. C'est-à-dire, excusez-moi, là, on va y aller à pied. On va commencer par le côté ressources, c'est-à-dire bois et pierre. Alors, voilà. Donc, en fait, là, je suis dans ma salle de pierre. Au-dessus, là, c'est ma salle de bois. Si le joueur pète le pieu, pète ce mur, il se retrouve dans ma pièce bois et pierre. Autrement dit, je m'en fous. De l'autre côté, donc là je vais y aller. Pour vous montrer, c'est ma salle. Donc là c'est ma salle métal et là ma salle tissu. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il pète tout ce côté-là, en fait, tout le côté droit, on va dire, de ma base, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant parce qu'il atterrit dans des endroits, je m'en fous un peu, donc là c'est tissu. Hein. Bon là j'avais un coffre, il était plein il y a pas longtemps, mais j'ai refait pas mal de craft. Donc là c'est tissu, là c'est cuir, là c'est les cordes, là c'est mes lingots de cuivre, mes ferrailles, mes fils de fer. Et ici, c'est mes ressources, mes objets. Alors dans ce coffre là, oui je vous l'accorde, c'est des objets plutôt rares. Hein. Les crânes sont plutôt rares, les cuillères sont plutôt rares, les anneaux, les peignes, enfin tous ces items là sont plutôt rares. Mais ça se met là-dedans parce que de toute façon dans l'avenir je pense qu'on va en looter quand même beaucoup plus. Donc ça restera des items normaux. Là c'est mes bougies, mes glis, mes dents de loup géant. Là c'est mes broches et mes tonneaux vides, ça sera dans l'avenir pour crafter des bombes. Ici c'est ma caravane, alors comme vous le voyez il me manque quelques lanières en cuir, il me manque 64 et il me manque 55 chaînes. Et donc les deux essieux de charrette qu'on n'a pas encore de disponibles dans le jeu. Alors attendez, je vais affiner ma flotte et ma bouffe, on va manger un petit morceau quand même. Hein, tiens, il y en a un qui traîne. Ça je le ferai ça après, je vous montrerai ça après. Donc là on arrive côté jardin. Alors côté jardin... Pas mal de choses, pas mal de petits trucs à vous montrer. Alors déjà, j'ai mis le cadavre dans ma base. Pourquoi? Parce qu'il vous sert de stockage. Mettez pas des trucs rares dedans, bien sûr. Mais par exemple là, bon, je ferai tout ça après. Là, il y a mes deux jardins qui sont tout le temps en production. Enfin, que j'essaie de faire tout le temps en production. Mes deux fourneaux, mes deux barbecues, mon séchoir à viande, mon truc à cuire et mon puits pour la flotte. Il y a mon cheval qui est ici. Que j'ai fini, il manque juste la bride et l'auge. Et donc en fait dans le cadavre, bah voilà, en fait je mets mes surplus. Quand j'ai trop de graines, quand j'ai trop de viande à sécher, quand j'ai trop de minerais de cuivre ou de ferraille, parce que maintenant j'ai la ferraille, j'ai un coffre plein, donc maintenant la ferraille je la fonds pour faire des lingots de cuivre, et ben je les mets là-dedans. Je les mets là-dedans parce que c'est juste à côté. Voilà, c'est juste à côté, donc on se plaint pas quoi. Alors attendez, je vais juste faire un truc. Hop. J'en profite, là il y en a 17. Allez, crame. Voilà. Donc voilà. Sachez que le cadavre peut servir de stockage. Donc n'hésitez pas à le mettre dans votre base. Et moi j'ai fait mon truc extérieur ici. Voilà. J'ai fait mon côté extérieur ici. A savoir, petite astuce pour ceux qui manquent de stockage. Regardez. Ça, je peux mettre ça ici. Je peux mettre ça là. Là je prends les lingots. Je peux... Ah non, je peux pas les mettre là. Et je peux... Non, pas non plus en bas. D'accord. Bon, déjà, en tout cas, les fourneaux bah, vous donnent déjà deux emplacements. Attendez, hop, ça, je vais prendre. Ça, je vais prendre ça là. Là, ici, hein, hop. C'est-à-dire que si je veux stocker encore plus et que mon fourneau ne fonctionne pas, bah, j'ai deux cases de disponibles. Ici, pareil. Hop, je peux stocker la viande là-dedans. Bon, ça, c'est un peu normal, mais regardez, je peux même stocker du cuivre. Une arme, je pense pas. Ah si, on peut mettre même une arme. Voilà, bah, je teste en direct et on peut même mettre une pioche. On pourra peut-être même une arme, tiens, regarde. La massue, on peut la mettre. Voilà. Donc ça nous permet de... Merde. D'avoir du stock. Pareil, donc dans le séchoir à viande. Hein. Hop, voilà. Ça nous permet... Donc là, je mets la viande. Hein. Le puits, on va tester vite fait. Le puits, c'est pareil.
Puis j'étais pas sûr, pour ça que je teste. Et pareil pour le truc à cuire, hein, le à cuire du pour le cuir. Hop. Donc ça nous permet d'avoir des stocks, des stockages un peu plus. Pareil pour les jardins. Voilà, les jardins, on peut mettre, on a une case de disponible, ce qui peut nous permettre donc d'avoir du stockage un petit peu plus dans votre côté de votre côté jardin, on va dire. Alors attendez, il y a eu un cadavre. C'est un loup. Hop, on récupère. Oui, parce que moi je n'ai pas fait de salle où j'ai enfermé des loups ou des zombies. Pour moi ça sert à rien. Je vais me suicider, j'ai mes pieux. Et franchement, que ce soit dans Last Day on Earth ou dans n'importe quel jeu de survie sur mobile, on n'a jamais vu un zombie retenir des joueurs. Donc franchement, pour moi, enfermer des zombies tout ça, c'est se faire chier pour rien. Ce n'est que mon avis. Attention, d'accord? Ce n'est que mon avis. Donc ensuite là il y a mon jardin. Et ce qui est bien, donc au pire s'il rentre dans le jardin, même de ce côté-là, c'est qu'il aura tous ces murs-là. Donc s'il pète ces murs-là, il arrivera dans un espace vide. Oui, pour l'instant on ne sait pas ce qu'il y a dans l'avenir, donc je me suis gardé un peu de place quand même. Et s'il pète ces murs-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le joueur ne pourra pas passer entre les deux. Entre les deux ateliers, on ne peut pas passer. Là, pareil, on ne peut pas passer entre les deux, même avec les murs pétés. Et donc, la seule option qu'il a, s'il arrive à rentrer dans mon jardin, c'est de péter ce côté-là et péter ce côté-là. On sait tous que les bombes coûtent cher. Voilà. A savoir, avant qu'on me pose la question, non, je ne ferai pas de base cancer. Mais je vais terminer la présentation et on en parlera après. Donc voilà, alors là, on est dans le centre de ma base. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, la pièce où je me trouve, ça va être ma future pièce vraiment tenue. Voilà, tenue et débarras. Donc là, c'est des tenues qui traînent, qui sont usées, que je vais aller utiliser dans les petites zones, on s'en fout. Là, c'est des pieux qui traînent, parce que maintenant, les pieux peuvent être cassés. C'est des restants de cartes. Là, ce côté-là, c'est mes armes. Donc voilà. Voilà. C'est mes armes. Hein. Là, c'est ma caisse débarras. C'est ceux qui sont utilisés ou les armes faibles. Là, c'est tout ce qui est bouffe et heal. Voilà. Et là, c'est tout ce qui est items les plus précieux. Donc les parchemins de terreur, les potions de furtivité, donc mes poudres du salpêtre, mes lanières en cuir, le tissu niveau 2, les chaînes, le charbon, le sulfure. Comme vous voyez, il m'en manque un de chaque. Là, j'ai mes lingots et là, j'ai mes clous. De l'autre côté, j'ai mon petit lit qui est ici, ma cage à corbeau pour les quêtes et, hop, 4 potions en plus, mon atelier de bouteilles vides. D'ailleurs, on va aller en mettre un stock. Hop. Et donc, voilà. Alors déjà, je vous ai donné la petite astuce pour... j'ai encore un truc à récupérer là-bas. Donner la petite astuce dans les jardins. Ensuite, comment dire, voilà, faites-vous une pièce centrale où ils vont galérer à atteindre. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner quand vous avez crafté votre base. Ensuite, une fois que vous avez mis les plans de votre base, c'est-à-dire, voilà, je fais ma pièce ici, j'ai fait mon extérieur, ma muraille, tout ça, commencez à renforcer en priorité l'extérieur. Parce que pour l'instant, on a le temps. On a le temps, les raids, à mon avis, les raids, c'est pas pour demain. Donc, on a le temps de vraiment fortifier l'extérieur. Et les murs en briques, bah, je le rappelle, pour les péter, il faut la bombe niveau 3 qui est là et qui, la recette, ne sera disponible que dans les donjons. Et donc, on l'a pas encore. Et à mon avis, il faudra quand même pas mal de poudre, etc., etc. Donc, commencez déjà par faire votre pièce centrale. Une fois que c'est fait, faites votre muraille, tout ça. Arrangez votre base comme vous le souhaitez. Moi, ce que j'ai fait en priorité, j'ai passé tout level 2. Une fois que tous les level 2 étaient faits, bah, j'ai commencé donc vraiment à faire l'extérieur. Et je terminerai l'extérieur avant de faire l'intérieur. Voilà. Ensuite, donc on va éviter de faire que la vidéo dure trop longtemps. Donc déjà, je vais sortir de ma base pour commencer. Et on va discuter vite fait du sujet, parce que ça, j'attends qu'on m'en parle dans les commentaires. Oui, pourquoi tu ne fais pas de base cancer comme ça? Tu seras beaucoup plus difficile à raid, etc., etc. Alors, je retourne dans ma base pour vous montrer vite fait c'est quoi une base cancer, pour ceux qui connaissent pas le jeu. Alors,
Je vais aller prendre du bois viteuf. J'en ai un petit peu en rabat. Voilà. Alors, une base cancer, qu'est-ce que c'est? Vous avez un sol. Hop, vous mettez trois murs. Enfin, voilà. Attendez, hop, je supprime ça. Voilà. Vous faites ça tout le long de votre base. Et dans cette pièce-là, vous mettez un coffre. Et tout le long de votre base, vous faites que des petits carrés. C'est-à-dire que ici, par exemple, je mettrai une porte, un mur. Ici, une porte, un mur. Ici, une porte, un mur. Mur. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Et le but, c'est de faire que ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand le mec il va devoir venir vous raid, eh ben, il va devoir péter énormément de murs. Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que je pars du principe que sur un jeu tel que celui-là, et j'ai vu ce que ça donnait sur Last Day on Earth, hein, quand on voit Yujimbo, Benichou et j'en passe les meilleurs qui font des raids et qui tombent sur des bases cancer, je répondrai qu'une chose, je ne ferai pas aux autres ce que je n'aimerais pas trouver en face de ma gueule. C'est-à-dire que quand les raids vont sortir, clairement, j'ai pas envie de me taper des bases cancer, à devoir péter 30 000 murs pour ouvrir ne serait-ce qu'un coffre. Franchement, j'en ai pas envie. J'en ai vraiment pas envie. Donc je le fais pas. Je le fais pas par... ouais, on va dire par principe. On va dire ça comme ça. J'ai pas envie. Déjà, ça va coûter max de ressources. Faut l'avouer quand même. Déjà, pour commencer. Et ensuite... Franchement, ouais, c'est... Pour moi, c'est un petit peu de l'anti-jeu. Chacun fait ce qu'il veut. Attention, je ne juge pas. Vous avez totalement le droit de faire une base cancer. Si vous le souhaitez. Je peux pas vous l'interdire. Mais pour moi, ça reste un petit peu de l'anti-jeu. Surtout quand on voit ce que ça donne, oui, sur Last Day on Earth. Last Day on Earth, ils ont mis une barre de son. C'est-à-dire que quand tu pètes un mur, tu fais du bruit. Et quand la barre de bruit, elle arrive à 100, t'as Big One qui t'arrive dans ta gueule. Et donc qui te force à terminer le raid. Ça veut dire que pour les mecs qui ont fait des bases cancer, c'est-à-dire que tu vas péter, j'ai un exemple en gros, entre guillemets, tu vas péter 3 murs et hop, tu peux plus raid. Donc surtout quand il faut péter 3 murs en briques et que donc t'as besoin de C4 sur la Day on Earth et qui fait masse de bruit, donc au final tu vas réussir à ouvrir un coffre et tu vas te barrer. C'est bien, oui, vous allez me dire ouais mais au moins on se défend tout ça. Il n'y a pas de souci là-dessus, comme j'ai dit je ne juge pas, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous raidez, est-ce que vous kiffez tomber sur une base cancer? Non, le but quand on raid c'est de tomber sur une base pour essayer de dépouiller des ressources. Récupérer des ressources, du stuff, etc., etc. Vous avez le droit de vous défendre. Vous l'avez vu, j'ai fait une muraille, j'ai fait. Voilà, ça va être compartimenté, mais ça ne sera pas une base cancer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle aura duré quand même un petit peu, mais bon, voilà, je voulais vous présenter ma base, comment je la craft, etc., etc. On se retrouve ce soir, donc là, au moment où vous allez voir la vidéo, il va être environ 19h. Ce soir, vers 21h, début du live, et il y aura du Glimsoul. On verra ce qu'on fera. Je pense essayer de faire une zone 3 crâne encore. Essayer de choper charbon et sulfure pour essayer de faire donc ce gatekeeper, cet event là. Voilà. Le but c'est que. Alors oui, là vous voyez une souris bizarre, c'est parce que là j'ai posé mon téléphone et là je suis avec à Power Mirror. Donc je déplace là avec la souris, mais je jouerai pas la souris. Donc voilà, le but c'est que je réussisse à faire en live ou en vidéo cet event à fond en pétant sa cabane. Donc voilà, je vous fais des bisous. Pour ceux qui sont là ce soir, je vous dis à ce soir. Pour ceux qui sont pas là ce soir, bah pas ce soir. Et à la prochaine pour d'autres épisodes, etc., etc. Plein de bisous. Ciao, ciao tout le monde.